Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est un privilège que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ce merveilleux moment que nous passons dans ta présence, où au travers de ta parole, tu vas parler au cœur d'un de tes enfants. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous allons lire du verset 17 au verset 20. Je suis dans la version Louis II. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. » L'évangile de Matthieu chapitre 17 nous relate une conversation entre le Christ et ses disciples autour de leur incapacité à chasser un démon. Démon présent en un enfant possédé. Je précise pour nos gouvernes que les disciples étaient des personnes qui marchaient, qui vivaient et recevaient les enseignements directement provenant du Maître. Les disciples auprès de Christ vivaient l'extraordinaire au quotidien. Mais de telles personnes, pourtant, face à la détresse d'un père qui avait amené son fils, n'ont pu chasser un démon. Bien-aimé, au moment où je donne ce message, plusieurs m'écoutent et sont comme les disciples de Christ l'étaient jadis, dans le sens où ils fréquentent des assemblées et communautés chrétiennes, ont vécu plusieurs expériences avec le Seigneur, mais aujourd'hui se retrouvent incapables d'exercer l'autorité reçue en Christ sur les démons. Ils n'arrivent pas à supporter certaines situations désastreuses à cause de leur incrédulité. L'incrédulité entendue comme le doute, le manque de foi. Plusieurs m'écoutent et sont ici présents et sont victimes de démons. Les esprits diaboliques les fatiguent, les traumatisent, les lient, les assiègent dans leur vie, les pliant sous les jougs de servitude. Mais les croyants restent inertes, sans force. Et c'est de manière découragée que certains acceptent parfois même leurs conditions sans plus se battre spirituellement. D'autres encore vivent au quotidien des choses terribles, mais n'ont aucun discernement sur ce qui leur arrive réellement, car ils sont aveuglés et endormis spirituellement. Ce qui est un état très grave pour un croyant, car l'ignorance, nous l'avions à plusieurs reprises enseignée, tue. Elle ouvre la porte aux esprits diaboliques, car on ne veille pas, on se livre à tout et n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Pourtant, on est censé être enfant de Dieu. Je redis encore, dans cette édition bien-aimée, ne jouons pas avec la vie spirituelle. Bien-aimée, c'est le spirituel qui guide le physique. Plusieurs blocages et situations que nous nous trouvons à subir proviennent du spirituel. Le croyant doit toujours veiller et être sobre. Et comme dit l'apôtre Paul, doit toujours s'examiner, s'éprouver lui-même. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, comment tu vas? Comment est ta vie? Regarde à ta vie et discerne bien. Car la possession démoniaque, au même titre que la sorcellerie, sont des réalités spirituelles très sérieuses et dangereuses qui se manifestent dans le physique par des comportements et attitudes anormaux et terribles car la cause est spirituelle. C'est ainsi que nous observons parfois certains comportements qu'on qualifie même parfois de mauvais caractère et autres alors que l'origine est spirituelle. Il y a une emprise de démons. Bien-aimés, je vais le redire à nouveau. Derrière certains comportements, et je précise, j'insiste bien sur le mot « certains » car, pas tous, des personnes autour de nous qui agissent, disons-le, de manière bizarre, qui ont des tendances à nuire aux autres ou alors à s'auto-nuire
se cache un ou plusieurs démons. Il y a des personnes présentes ici qui comprennent bien de quoi je parle. Les démons sont réels et ils assiègent malheureusement la vie de bon nombre de personnes, les soumettant à d'atroces souffrances, dont la première est la rupture de communion avec Dieu. Les démons aveuglent et poussent à marcher dans les ténèbres, loin de la lumière, à vivre dans la saleté, le péché. On se sent lié par toutes sortes de chaînes, pouvant aller de l'immoralité sexuelle, la débauche, à la polémique, au mensonge, à la duplicité et j'en passe. La liste serait très longue. Et la vie de plusieurs parmi les chrétiens est comme ça. On peut émerger certes dans certains domaines de nos vies, mais dans d'autres c'est le chaos total. Et question communion avec Dieu, on marche et on vit non éclairé par la lumière. Et cela se voit à la qualité de vie qu'on mène. Et pourtant on est enfant de Dieu. Jean 8, verset 36 nous dit « Si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. » Je vais te reposer une question, bien-aimé. Est-ce que tu es libre? Est-ce que dans ton vécu, ton quotidien, quand tu regardes à ta vie, tu peux affirmer de jouir de cette liberté en Christ? Liberté qui procure la joie, la paix, le fruit de l'esprit de Galates 5. Ou alors tu te sens comme compressé et oppressé tout le temps. Il est temps de remettre de l'ordre dans nos vies, de rétablir la communion avec Dieu, de sortir de toutes sortes de distractions sataniques, d'examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu, afin de reprendre cette liberté spirituelle en Christ, car un esclave n'est pas libre. Je dis qu'il est temps pour celui ou celle qui le désire et le croit, de sortir des jougs de servitude, sortir de toute captivité au nom de Jésus-Christ. En réalité, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». En Christ, aucun démon n'a de l'ascendance sur ta vie, bien-aimé. Qu'importe le nom qu'il porte, aucun démon n'a le pouvoir sur ta vie, sauf si toi-même tu fais joujou avec lui et tu lui en ouvres l'accès, tu lui en donnes l'accès au travers d'un ou plusieurs péchés que tu commets. Retournons au texte de Matthieu. Il est dit, les disciples de Christ un jour se sont trouvés en face d'un cas qui les dépassait. Il s'agissait d'un enfant lunatique, en d'autres termes une personne d'humeur changeant de manière soudaine, quelqu'un de versatile. Certaines versions parlent d'épilepsie. Qu'à cela ne tienne, lisant le texte, il va nous être révélé que derrière cette maladie attitude, mettons le terme qu'on veut en réalité, se cachaient des démons. Le comportement de cet enfant était influencé par les esprits diaboliques, qui, comme le Père le déclare au verset 15, le faisait souffrir cruellement. Bien-aimés, attention aux accès que nous ouvrons au diable et aux démons. Car quand un démon ou plusieurs démons entrent dans la vie d'un individu, c'est pour nuire, c'est pour détruire. Et cette destruction implique d'atroces douleurs, des souffrances, des larmes, un réel mal-être. Une personne possédée est en détresse. Et l'histoire de cet enfant nous le détaille. Il avait le corps recouvert de brûlures, puisque le démon le jetait dans le feu. Et parallèlement, avait failli le noyer plusieurs fois en le jetant dans l'eau. Une personne possédée est à la merci du démon qui le possède. Car une fois installé dans la vie d'un individu, c'est lui qui devient le maître et il fait de la vie de sa victime comme bon lui semble. Le démon ne se contente pas seulement de tourmenter sa victime, mais affecte également la vie des personnes qui se trouvent autour. Si un jour le démon décide de brûler, il pousse dans le feu, ou alors de noyer, il pousse dans l'eau. Le tout dans l'unique but après lui avoir fait endurer d'atroces souffrances de le tuer. Bien-aimés, attention aux accès que nous donnons au diable. Paul a dit dans l'Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'entre que pour dérober et égorger et détruire. Jean 10, 10. Enfant de Dieu, veille sur tes voies et marche dans la sanctification, car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit le Romains 6, 23. Je prends la peine de le dire à l'intention de ces croyants qui, parce qu'ils ne veillent pas et vivent dans le désordre, sont assiégés par des démons qui détruisent leur vie, détruisent leur famille, détruisent leurs enfants, les poussant également à nuire à la vie des autres personnes, même dans la communauté des frères qui se trouvent autour d'eux. La possession démoniaque peut avoir plusieurs accès, certes,
en commençant par la qualité de nos marches spirituelles, en passant par les portes que nous ouvrons à l'adversaire, avec nos vécus, les endroits et les personnes qu'on fréquente, pouvant aller jusqu'au type de musique et programmes que nous écoutons, au site internet et autres. Vraiment, dans la vie d'un individu, les démons peuvent avoir plusieurs accès, même au travers des liens de famille, au travers des sorcelleries familiales. Bien-aimé, je vais insister à nouveau en disant ceci. Un enfant de Dieu authentique ne doit pas être ignorant, encore moins négligent des détails. Il ne doit pas être rempli de compromis, mais doit marcher avec circonspection, c'est-à-dire marcher avec une extrême prudence, ne se livrant pas n'importe comment à tout et n'importe quoi, et surtout avec n'importe qui. D'où l'importance d'être sérieux, authentique avec Dieu. Bien-aimé, on ne plaisante pas avec sa vie spirituelle, parce que quand les démons entrent, ils infligent de la souffrance. Si tu reconnais, quand je parle là, avoir dans ton vécu fauté et avoir permis un accès quelconque, bien-aimé, relève-toi et ressaisis-toi. Prends cette perche que Dieu te tend aujourd'hui, rétablis ta communion avec lui et laisse que sa parole produise en toi le courage, la foi pour surmonter toute situation fâcheuse que tu es actuellement en train de traverser. Tu dois prendre une décision et mettre de l'ordre dans ta vie, étant convaincu que l'Éternel est notre force et le rocher de nos délivrances. Psaume 28, verset 8. Le verset 17. Face à l'échec des disciples, le Christ va leur dire « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Car Jésus-Christ avait remarqué avec surprise, voire même déception et peine, l'incapacité de ses disciples à délivrer un enfant possédé. Tout ça à cause de leur manque de foi, à cause de leur incrédulité. Jésus-Christ se rend compte que bien que ses disciples cheminaient, marchaient, vivaient à ses côtés, lui qui était la parole de Dieu faite chair, en réalité, il ne la comprenait pas encore bien. Ce qui fait qu'il n'avait pas encore conscience de leur autorité spirituelle sur les démons. Voilà pourquoi, en l'absence du Seigneur Jésus-Christ, il était incapable de résoudre le cas de cet enfant. Bien-aimé, à toi qui traîne dans ta vie déterminé problème spirituel et qui a du mal à t'en libérer alors que tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Bien-aimé, introspecte-toi et regarde si tu as réellement la foi en Dieu. Car parfois, nous sommes assis dans les assemblées ou groupes de prière de manière religieuse, mais nous n'avons pas la foi capable de chasser les démons parce qu'on a un problème de compréhension de la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu, mais on ne la comprend pas. Pourtant, la foi en elle-même est le produit de la prédication de la parole. La parole dit dans Romains 10, verset 17 que la foi provient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Est-ce que nous sommes déjà nourris spirituellement correctement? Car sur la toile ou dans certaines assemblées pilulent toutes sortes de doctrines qui ne font que égarer davantage les croyants et empirer leur situation spirituelle. Et cela se répercute sur leur physique. Où rien ne va, c'est la débandade totale. Bien-aimé, de la même manière qu'en consommant une nourriture pourrie, avariée, inappropriée, en consommant de l'ivraie qui est un poison, on s'expose aux maladies. De la même manière, en bâtissant la foi sur des doctrines erronées et contraires à la vérité, on s'enfonce dans des gouffres et le résultat est terrible. Plusieurs, en pensant trouver des solutions à leurs différentes problèmes auprès de certaines assemblées sont allés empirer leur situation. Sachant qu'avec cette même Bible que nous tenons en main, nous sommes capables d'amener une personne à la lumière et avec cette même Bible, nous sommes capables de plonger des gens dans d'atroces ténèbres. Bien-aimés, ayons le discernement. Le discernement est nécessaire dans la marche avec Dieu. Ce qu'on suit, ce ne sont pas les affinités, les groupes, les amitiés avec un tel. On suit
là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et son authenticité. Plusieurs enfants de Dieu se trouvent oppressés, traînent continuellement les mêmes situations qui vont de mal en pire, car n'ont pas la foi. Il est important que nous réalisions que de même que le Seigneur Jésus-Christ a chassé les démons, de même il aimerait que nous aussi puissions en faire autant. Un démon n'est pas plus puissant qu'un enfant de Dieu authentique. Et c'est au nom de Jésus-Christ que tous genoux fléchissent, y compris ceux des démons. Marc 16, verset 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je te repose la question, bien-aimé, à toi qui m'écoutes et qui traverse des situations spirituelles terribles. Toi qui es confronté depuis des années à plein de choses que tu qualifies d'anormales, car n'ont rien à voir avec le physique, mais sont d'ordre spirituel. Est-ce que tu les discernes à la lumière de la parole de Dieu? Si oui, as-tu la foi en Dieu que tu es capable, au nom de Jésus-Christ, de les renverser? Si ce n'est pas le cas, alors nourris-toi de la parole de Dieu. Médite-la, apprends à connaître le Dieu que tu sers. Ressaisis-toi, appuie-toi sur Dieu et sur ses promesses. Range ta vie. Prends les bonnes décisions en accord avec la volonté de Dieu. Je le répète, manifeste la foi en Dieu et tu verras le miracle s'opérer. Tu as en toi reçu l'autorité de chasser les démons qui t'affligent, de renverser les situations spirituelles qui te tourmentent. Et ce pouvoir, tu dois l'exercer au nom de Jésus-Christ afin d'être libéré de toute oppression, emprise démoniaque. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Je nous parle comme ça ici d'une foi triomphante dans les pires épreuves. Une foi que rien ni personne ne peut entraver ni arrêter. Une foi basée, enracinée, cimentée sur la connaissance de ce que Dieu, le Dieu que nous servons, fait. Une foi qui ne doute pas de la bonté, de l'amour, de la miséricorde, de la compassion de Dieu envers nous, ses enfants. Une foi qui croit sans avoir vu, se tenant sur l'assurance que Dieu a déjà agi dans la situation. Et que quand Dieu promet, il ne ment pas. Si la promesse tarde, elle s'accomplira, elle finira par s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Une foi qui persévère dans l'épreuve, ne cédant à aucune tentation et à aucun mensonge satanique. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, la foi est un ingrédient primordial, une attitude, une démarche que Dieu aime retrouver en ses enfants. Il est dit dans Hébreux 10, 38 que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Certaines situations, parfois, ne tiennent qu'à une seule décision de notre part. Hélas, parfois c'est nous qui sommes trop faibles, voire même incrédules et surtout peu persévérants. On abandonne trop vite, alors que la prière est une lutte, un combat qui peut être de longue haleine. Ou si l'ennemi double d'efforts, nous aussi en tant que combattants, nous devons résister et redoubler d'efforts. Dans le verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Face au démon, on ne plaisante pas. On parle avec autorité et sévérité. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos copains. Nous ne faisons pas partie du même camp. C'est armé de notre foi qu'on leur ordonne, avec l'autorité de Christ en nous, de s'en aller. Car je le redis, nous avons reçu plein pouvoir sur eux. Mais nous ne devons pas douter. Nous leur ordonnons de dégager et ils n'ont pas le choix que de s'exécuter. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, après avoir écouté ce message et appliqué le conseil de Dieu, si tu le crois, tout ce qui assiège ta vie sera délogé au nom de Jésus-Christ. Il te sera fait selon ta foi. Le Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité qui est Christ et elle vous affranchira. » Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser ce démon ?» Ça ressemble à la question qu'une personne d'entre nous pourrait poser. « Seigneur, dis-moi pourquoi cette situation perdure dans ma vie ? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer de telle ou telle chose ? Me libérer de telle emprise, je ne comprends pas. Pourtant, je suis enfant de Dieu. » Et à cette question, le Christ répondra à ses disciples, mais à nous également, « Parce que vous n'avez que peu de foi. » C'est à cause de votre incrédulité. Et il poursuit en disant, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, un grain de sénévé, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas
et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Je vais redire à une personne qui m'écoute. Bien-aimé, beaucoup de situations perdurent dans ta vie à cause du manque de foi. C'est aussi simple que ça. Qui se dit enfant de Dieu doit avoir et manifester la foi pour voir les montagnes être renversées dans sa vie, pour voir les murs tomber, les liens être brisés. En tant qu'enfant de Dieu, je le redis, nous sommes justes car justifiés par le sang de Christ. Nous devons apprendre à vivre par la foi pour être agréable à Dieu et arrêter de nous trouver des excuses, de nous morfondre, arrêter de donner une autorité à Satan qu'il n'a pas en vrai sur nous, car nous avons reçu en nous le nom au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, puissance, dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ephésiens 1, verset 21, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Par les compassions de Christ, bien-aimé, je nous en conjure, arrêtons de nous sous-estimer spirituellement. Nous ne sommes pas n'importe qui. Arrêtons de donner des accès aux démons, rangeons nos vies, éloignons-nous du péché, ayons du discernement en tout, soyons prudents. Le juste vit par la foi. Hébreux 10, 38. Le Christ parle d'avoir une toute petite foi. Il n'en demande pas une énorme, mais juste une toute petite, semblable au grain de sénévé qui, pour notre gouverne, est la plus petite graine au monde qui existe. C'est une telle foi qui est capable de chasser les démons, qui déplace les montagnes. C'est une telle foi qui peut amener très loin. Le Seigneur ne prend pas ses illustrations au hasard, mais il demande une toute petite foi, minuscule foi, qui a la capacité d'accomplir de grands miracles et prouesses. Bien-aimé, est-ce que nous l'avons? Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi je ne sors pas de ce problème, de cette maladie, de cette épreuve? Le doute, bien-aimé. Le doute, l'incrédulité, qui est souvent accompagnée par le manque de volonté. Je suis tout puissant pour accomplir toutes choses en ta faveur. Mais le problème est que tu ne comprends pas encore le potentiel qui est dans ma parole. Tu ne comprends pas sa toute puissance et son autorité. Tu ne réalises pas encore bien qui toi-même tu es en Christ. Tu ne réalises pas encore bien ce que j'ai placé en toi. Tu n'exerces pas ton autorité sur les montagnes qui sont dressées sur ton chemin. Tu es encore trop soumis et dirigé par ta chair, par tes émotions, par tes peurs et autres, qui eux te renvoient aux réalités totalement opposées et contraires à ce que ma parole te dit, à savoir que tu as le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Luc 10, verset 19. Bien-aimé, face à ce que tu vis, introspecte-toi et regarde si tu as la foi en Dieu. Le Seigneur nous a tout donné. C'est à nous d'exercer la foi, l'autorité en Christ face aux épreuves. Si tu as la foi juste comme un tout petit grain de moutarde, tu pourras ordonner, tu pourras commander, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, transporte-toi d'ici à là et elle le ferait, rien ne te serait impossible, juste une toute petite foi suffit pour accomplir de grandes choses. Comme ordonner, commander à une montagne, à une grosse situation, une épreuve lourde, une maladie, une anomalie physique, un démon, de dégager de ta vie, de dégager sur ton chemin, et cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Juste une toute petite foi. Nous n'avons pas besoin de plus. Sans regarder à ce que nous renvoie la réalité, sans regarder à l'épreuve qui se dresse au devant de nous, mais juste manifester une petite foi comme un tout petit grain de moutarde suffit à réaliser de grandes choses et rien ne nous serait impossible. Quand le Seigneur dit rien, bien-aimé, c'est rien. Nous avons l'autorité en Christ et rien ne peut nous détruire. Christ a fait sa part, c'est à notre tour de le faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit tout puissant face auquel rien ni personne ne résiste, même pas un démon, même pas une maladie, même pas une situation.
situation tragique. Mais tout dépend de la foi, de la croyance que nous plaçons en Dieu et en sa parole. La parole nous dit dans l'Ésaïe 26, verset 12, l'Éternel nous donne la paix, car tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Dieu accomplit toutes choses bonnes pour son peuple qui lui obéit. L'obéissance à Dieu marche avec la foi en lui et en ses promesses. Ce grain de moutarde est l'expression de la confiance absolue en Dieu. Une confiance qui conserve dans la paix malgré le tumulte, car nous espérons en l'intervention de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. La foi n'a pas besoin de preuves. Elle nous rend parfois fous aux yeux des personnes autour de nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas tenus d'accepter spirituellement toute situation qui perdure dans nos vies, toute montagne qui se dresse devant nous. Mais face à chaque épreuve, nous devons nous appuyer sur les promesses de l'Éternel qui nous assure la délivrance. Aujourd'hui même, tu reçois ta délivrance si tu as la foi comme ce petit grain de moutarde. Alors tu ouvres ta bouche, tu ordonnes, tu commandes à cette situation de dégager de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a dans cette phrase le pouvoir de la parole. La parole de Dieu est créatrice. L'Éternel lui-même a tout créé par sa parole. Ce qu'un enfant de Dieu déclare est très important. Nous devons apprendre à parler aux circonstances qui se dressent devant nous. Ça fait partie de l'autorité que nous avons reçue en Christ. La foi marche avec la déclaration de la parole de Dieu. C'est le spirituel qui guide le physique. Ce que tu déclares spirituellement s'accomplit physiquement. Les épreuves, les démons ont des oreilles et ils nous écoutent et entendent nos déclarations. Voilà pourquoi c'est muni, je le redis, de la foi et de l'autorité en Christ qu'on doit apprendre à ordonner avec sévérité à déterminer situation de se dégager de nos vies. Ce qui bouge la main de Dieu, c'est la foi. Or, parfois, au lieu de manifester la foi, de parler, d'ordonner, de commander aux montagnes qui nous embêtent de dégager, on passe beaucoup trop de temps à parler de ces montagnes-là. On s'en plaint, on se lamente, on désespère. Et plus on le fait, plus elles grossissent et nous semblent insurmontables. N'oublions pas qui est le diable. C'est le père du mensonge. Et il est capable de créer une situation au fur et à mesure du temps. Comme on ne la traite pas spirituellement, il l'empire. Il la fait grossir. Et ensuite, on se sent tellement compressé et oppressé car l'intelligence est tellement assiégé par ses mensonges qu'on arrive à bout et s'ensuit le découragement, le renoncement accompagné de beaucoup de confessions négatives, de paroles qui nous condamnent nous-mêmes. On déclare forfait et l'adversaire nous détruit, détruit nos familles. Bien-aimés, attention à ce qui sort de nos bouches, surtout durant les moments d'épreuve. Ne nous coupons jamais ni de Dieu ni de sa parole. Ne nous éloignons pas de la lumière, car qui s'éloigne de la lumière tombe indubitablement directement dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui fortifie l'homme intérieur. Marchons dans la sanctification, dans l'obéissance. Nous accrochons fermement à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.